La Slovénie est le premier des nouveaux États membres à prendre la présidence de l'Union européenne. Une charge lourde pour ce petit pays d'à peine 2 millions d'habitants. Ljubljana, qui a réussi un sans faute depuis son adhésion en 2004, s'y est préparée activement. 62 millions d'euros seront dépensés pendant ces 6 mois, y compris pour ce nouveau centre récemment inauguré en grande pompe, qui accueillera plusieurs dizaines de réunions ministérielles ou de hauts fonctionnaires. Pour le ministre des Affaires européennes, Janez Lenarčič, c'est un véritable défi. Nous avons connu des difficultés logistiques car nous manquons d'équipements hôteliers et de centres de congrès. C'est pour cela que nous avons construit celui-ci à Bordeaux. Nous avons aussi des ressources humaines limitées, mais suffisamment en définitive. Nous allons devoir recruter et nous avons d'ailleurs déjà commencé, et ce dans une proportion plus importante que dans certains pays plus grands. Très fier pour son pays, Alois Peterle, ancien Premier ministre, aujourd'hui eurodéputé, ne doute pas que la Slovénie saura se montrer à la hauteur de ses responsabilités. Il y a des pays plus petits qui ont assumé ce rôle, mais je me souviens que les présidences luxembourgeoises sont habituellement couronnées de succès. Quant à nous, nous sommes très confiants. Bien sûr, nous devrons coopérer avec les autres, mais je suis sûr que la Slovénie est capable de présider l'Union. Le gouvernement slovène est cependant conscient qu'il lui faudra de l'aide et sera attentif au conseil de ses aînés au sein de l'UE, notamment de la France qui assumera la présidence suivante, comme l'explique Dimitri Roupel, le ministre des Affaires étrangères. Nous n'avons rien contre une aide de la part de Paris. La France est un pays fondateur de l'Union, elle en connaît parfaitement les mécanismes, elle connaît les enjeux et les perspectives. J'ai eu de bons contacts avec Bernard Kouchner depuis qu'il est ministre et je suis enchanté de pouvoir travailler avec lui et avec nos amis français. Et je compte absolument sur leur soutien. En tout cas, la population, l'une des plus europhiles d'Europe, se réjouit que cela permette de mieux faire connaître ce petit pays de montagne, longtemps intégré à l'Empire austro-hongrois, indépendant entre les deux guerres avant de rejoindre la Yougoslavie jusqu'à son indépendance en 1991. Je suis fière, évidemment, et j'espère qu'enfin, on ne va plus nous confondre avec la Slovaquie. Nous, on est les Slovènes. Le traité de Lisbonne étant signé et l'agenda législatif européen s'annonçant léger en attendant sa ratification, la Slovénie devrait vivre ce qu'on appelle une présidence de transition, expédiant les affaires courantes. Mais la déclaration d'indépendance attendue du Kosovo et la situation générale dans la région vont néanmoins donner à Ljubljana l'occasion de se mettre en avant. Cette présidence est ainsi une bonne occasion de renouer avec les racines balkaniques de la Slovénie, d'après le spécialiste des Balkans, Borut Djirdjic. Je crois que la Slovénie a connu une période de réflexion sur elle-même. Cela veut dire qu'après l'éclatement de la Yougoslavie, nous avons été peut-être un peu réticents à être associés aux Balkans. Nous voulions être considérés comme une partie de l'Europe. Mais maintenant que nous sommes membres de l'Union, cela nous permettra probablement de mener une politique plus active vis-à-vis des Balkans. La Slovénie veut effectivement profiter de ces 6 mois pour convaincre l'Union de confirmer la perspective d'adhésion de tous les pays des Balkans et d'adopter un plan d'intégration en vue d'une adhésion groupée de ces pays le plus tôt possible. Comme vous le savez, une décision a été prise en 2003 au sommet de Thessalonique concernant les Balkans occidentaux. Nous avons décidé à ce moment-là de leur ouvrir une perspective européenne, ce qui signifie qu'un jour ils seront membres de l'Union. À la différence du Caucase ou de l'Ukraine où la situation n'est pas la même, ces pays-là sont véritablement des futurs membres. Pendant notre présidence, nous aimerions aboutir à un réseau d'accords, voire conclure le travail déjà engagé en matière d'accords entre l'Union et les pays des Balkans occidentaux. Cette ambition repose aussi sur de bonnes relations avec tous les pays voisins, dont la Serbie, auprès de laquelle Ljubljana n'a mis qu'une dizaine de jours pour conquérir son indépendance. L'UE doit aider Belgrade à s'intégrer, selon le rapporteur pour la Serbie au Parlement européen.
La Serbie est le plus grand pays de la région. Elle compte 8 millions d'habitants, elle a une administration et des institutions politiques. De quoi les Serbes ont-ils besoin? Ils ont besoin de se réveiller, ils ont besoin de faire la preuve de ce qu'ils valent. Et ils peuvent beaucoup mieux le prouver. Dès lors que la Serbie pressera le pas pour le faire, nous aurons une influence positive et très bénéfique pour tous les États voisins. Paradoxalement, avec le voisin croate, les relations sont plus tendues. Lors de l'éclatement de la Yougoslavie, Zagreb s'est en effet approprié l'essentiel de l'accès à la côte adriatique, sans tenir compte des besoins maritimes de la Slovénie. Pour le leader du parti nationaliste, il faut reporter l'adhésion de la Croatie à l'Union, prévue courant 2010, et régler d'ici là tous les contentieux frontaliers. L'ensemble des pays des Balkans occidentaux devraient intégrer d'un coup l'Union européenne. La Croatie, mais aussi le Monténégro, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine et l'Albanie, pour qu'ils aient plus ou moins le même niveau de vie. Ce serait donc mieux de faire patienter un peu la Croatie, puis d'intégrer toute la région. Sinon, on va vers des problèmes, surtout vous, en Europe. Intégrée à la zone euro depuis bientôt un an, l'économie slovène, avec une croissance soutenue de 4% par an, ne souffre pas du renchérissement de la devise européenne face au dollar, comme l'explique ce professeur d'économie à l'Institut de recherche économique de Ljubljana. Ce n'est pas si important pour la Slovénie, parce que l'essentiel de nos exportations va vers l'Union européenne. Ainsi, d'un certain point de vue, c'est un commerce intérieur en euros. Seule une petite partie, peut-être jusqu'à 30%, est calculée en dollars. Et bien sûr, dans ce cas, parce que l'euro est fort, nous perdons en compétitivité. Mais au final, je pense qu'actuellement, ce n'est pas si grave pour la Slovénie. Fort de ce dynamisme économique, le ministre de la Croissance, baptisé Monsieur Lisbonne, compte bien peser sur les conclusions du Conseil européen de printemps, au cours duquel l'Union confirmera sa stratégie de Lisbonne. L'Europe va avoir besoin de repenser sa stratégie globale. Enfin, le traité constitutionnel est signé, nous avons ce cadre institutionnel qui est mis en place. L'élargissement est plus ou moins, je ne dirais pas achevé, mais disons digéré. L'Europe s'est élargie assez vite ces 10 dernières années et cela lui donne une opportunité pour regarder vers l'avenir plutôt que vers le passé. Les Slovènes, adeptes de l'autodérision, espèrent pourtant bien qu'ils seront capables d'ici juin prochain de faire entendre en Europe leur petite musique annonçant le prochain élargissement de l'Union européenne.